Putain, ça m'énerve que ce soit pas en 4K. Bon, bref. Jouer, nouvelle partie. Est-ce que je peux faire une intro ou pas? Non. Fuck. Imagine que... Fuck. Bon, bah, vous allez voir ma gueule pour l'intro, je suis désolé. Attendez, parce qu'il faut que je me mette en mode plein. Game capture, et je le mets en... En full screen, voilà. Désolé pour ce petit contretemps. C'est très beau. C'est Tron. Qu'est-ce que j'aime le pixel art comme ça, je suis amoureux de ce genre de pixel art. Puis le petit effet là, du plus bel effet un peu écran à l'ancienne quoi. J'espère que la musique est pas trop basse. Elle est trop bien. Ah, ce pixel art, il est beau. Va se faire aspirer dans le jeu. Attention. Ouais. J'aime bien le bruit. C'est beau. Ok, c'est putain de beau. Ah merde, j'ai baissé le micro du coup. Vous allez le voir. Moi, je veux pas que vous voyez le micro. Voilà. Vous voyez un petit bout, mais c'est pas trop grave. Coucou. Est-ce que je lis ? Allez. Le drapeau que nous avons programmé avec la fonction de héros nous a donné une marge de manœuvre suffisante pour rassembler cet interrupteur et permettre votre entrée de force dans des segments de vieux code. Cette région est peu contrôlée par les hacker notes. Vous pouvez la traverser relativement en confiance, mais prenez garde quand même. Lui et ses hacker notes passent sans relâche sur les lignes de code pour tenter de vous retrouver. Ouais, c'est vraiment Tron en fait. Appuyez sur ce bouton, ouvrira la porte. À l'intérieur, vous attend un module holographique de carte mère, notre mère protectrice à tout, ainsi que celle de tous les programmes du royaume numérique. Elle se trouve dans la capitale du royaume numérique, occupée à entretenir le Trichrome en surveillant le code, prévenant des intrusions et corrigeant les bugs. Depuis l'arrivée des étalons,
Le code du royaume numérique est instable, à l'instar du rayon trichrome. Ouvrir la porte. Oui. Comment c'est beau. C'est quoi ça? Comment c'est trop beau. J'espère que c'est pas dur. En vrai, j'aime bien les jeux quand ils sont durs, mais d'un autre côté, en fait, j'aime pas en stream. Est-ce qu'on peut attraper cette épée? En fait, en stream, je le prends comme un échec. Je peux passer 4 heures sur un jeu tout seul, ça, y a pas de problème. Mais en fait, j'ai peur que ça vous ennuie, du coup, ça me stresse. Motherboard. Ceci est un message préenregistré à l'intention de l'instance True du héros numérique, Narita Boy. Je suis la carte mère, le programme superviseur du royaume numérique. J'ai été conçu ligne après ligne par le créateur et mon code source émane du royaume architectural du trichrome. Je suis l'un des premiers programmes doués de conscience qu'ils ont éveillé au royaume numérique. Ouais, je sais pas lire, pardon. Si vous entendez ce message, cela signifie que vous avez reçu notre appel et que vous avez décidé de nous venir en aide. Bienvenue. Je vais faire cette voix pour la motherboard. Ce que vous voyez est la métaphore visuelle du trichrome, le rayon qui émane de son noyau et les trois traits de lumière qui s'élèvent du code source de notre royaume. Putain, les phrases rallongent. Chaque rayon a une fonction bien définie et il s'occupe d'une région spécifique du royaume. Enfin, il occupe une région spécifique du royaume. Chaque rayon est une entité computationnelle créant un système de programme autour d'elle. Ces systèmes sont appelés les maisons du trichrome. Il en existe trois, tout comme il y a trois rayons créateurs. Le rayon de la maison jaune, une région de code qui enjambe la simulation du désert. Le rayon de la maison azur, les régions des pluies éternelles et de la simulation azur. Enfin, le rayon de la maison pourpre, la maison la plus puissante et la plus perturbatrice. Le rayon de la maison pourpre est le puissant équilibre qui soutient l'architecture du trichrome. Mais le programme superviseur, qui gérait auparavant le vidage des données, lui, a perdu l'esprit et nous a trahis dans sa soif de suprématie sur la maison pourpre. Attends. Tant sa soif de la suprématie sur la maison pourpre était grande. Nous l'avons vaincu et il a été expulsé du royaume pourpre en compagnie des autres programmes que l'on appelle les étalons. Mais ils sont revenus. Voilà pourquoi nous avons fait appel à vous, Narita Boy. Nous avons besoin d'un héros qui puisse manier la techno-épée, la seule arme forgée par les rayons trichrome et la seule capable de détruire le rayon et le code étalon. Vous devez aller au château des technopères. Ce sont des programmes superviseurs qui ont forgé la techno-épée. Vous devez la leur prendre et nous libérer de la menace des étalons. Mais ce n'est pas tout. Lui a causé encore plus de dégâts. Voilà la carte mère. C'est bon, j'ai fait ça. Mettre la main sur la techno-épée. Nice. C'est tellement mignon. J'espère que vous voyez bien. Parce que moi je vois très bien. Attends, je vais regarder quand même. Que ce soit pas tout sombre. Parce que si c'est sombre, je peux améliorer la qualité de la vidéo. Parce que je suis comme ça, moi je suis sympa. Twitch. Let's go Twitch. Hop. Non, on est là. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est beau? Oh, en plus, on a le choix des... Peut-être c'est beau. Ouais, vous voyez très bien, je pense. C'est très très bien. Je suis jouasse. Allez. Continuons cette aventure. Pour l'instant, il ne se passe rien, mais j'ai juste très envie de continuer. Je vais vous monter légèrement le son du jeu, parce que j'ai l'impression que la musique, vous l'entendez juste en fond, quoi. Ça, ça doit être pas mal. Et ma voix, voilà. Parfait. Oh bon. Ah, on n'est pas mieux là? C'est lui, le sorcier, notre ancien frère est le superviseur de la maison du rayon pourpre. Il a engendré une énorme perturbation, carte mère vous expliquera tout. Vous pouvez la contacter grâce à une console holographique dotée d'un double ensible. Ensible, je sais pas comment on dit.
Lorsque vous trouverez une console holographique, vous pourrez communiquer avec carte mère. De plus, le cryptage est suffisamment complexe pour empêcher les hackernautes de lui d'adresser au flux de la conversation. Oh, c'est beau. Ça ressemble vraiment à... Pas trop... J'ai entendu beaucoup Another World, mais je trouve pas tant que ça parce que... Ah. Une paix immense traverse mon code en voyant que la première des 13 mémoires du créateur a été détruite. Ce totem démoli permet d'accéder aux mémoires du créateur. Ce dernier les a dispersées dans le royaume par mesure de sécurité. Et je suis un peu con, j'ai oublié de changer le nom du jeu. Enfin, venez. Venez les gens. Narita Boy. Boy. Un jeu. Il est bien. Tac. Narita Boy. Natira. Narita. Boy. Non. Je l'avais vu. Il a disparu. Naruto. Non. Narita Boy. Mettre à jour. Voilà. À moi les milliards de viewers grâce à ce changement. C'est faux. Si quelque chose devait arriver au créateur, le héros numérique pourrait plonger dans ses mémoires pour réactiver la mémoire passive du royaume numérique et mettre à jour le code source. Nous en avons grand besoin parce que lui a effacé les 13 blocs de mémoire du créateur qui constituait son réseau neuronal. Le créateur n'a plus le moindre souvenir. Ah, c'est chiant. Le créateur a oublié que ce royaume ne peut pas vivre sans lui. De ce fait, et du fait de la rupture proche de l'équilibre du trichrome, lui et ses étalons nous ont à nouveau envahis. Comment il a réussi à effacer sa mémoire? Nul ne le sait. C'est un mystère que vous devez résoudre par vous-même. En vous y plongeant. Vous serez un psychonaute et un héros. Mais n'oubliez pas que si le créateur oublie de manière permanente, le royaume numérique sera perdu à jamais. Lui a le pouvoir de contrôler le puissant rayon pourpre qui nous assujettit tous à des désirs les plus sinistres. Le trichrome sera déstabilisé et nous serons tous sous son joug. Même si vous tuez les milliers de programmes étalons, souvenez-vous que seul le créateur peut éliminer totalement le code étalon qui apparaît graduellement dans des milliers de lignes de code source. Vous allez devoir trouver les 12 totems restants, assembler leur code et voyager à l'intérieur. Ce n'est qu'en les déverrouillant que le créateur pourra recouvrer la mémoire, alors faites vite. Une dernière chose, fils du trichrome. Il n'est pas possible de voyager jusqu'à la première mémoire à travers ce totem brisé, mais vous n'êtes pas forcé de récupérer celle-ci, les 12 mémoires restantes suffiront au créateur pour se souvenir. Mais sachez toutefois qu'il existe 5 ex-disquettes de sauvegarde disséminées dans le royaume numérique. Si vous les trouvez toutes, vous pourrez reconstituer ce premier totem. Ah, stylé. Nous vous serons éternellement reconnaissants si vous parvenez à les restaurer aussi sa première mémoire. Désolé pour la lecture, il est tard. Et j'ai toujours eu du mal à lire à voix haute. Sinon, je lis bien en général. Oh putain, Xavier Dang. Et c'est ça, c'est Monsieur MV. Le vieux monsieur. Coucou. C'est trop stylé. L'effet de lumière qui se disperse comme ça, c'est trop beau. Bon, on se croirait vraiment sur un écran cathodique, tu sais, avec le vert qui s'illumine. Narita Boy, nous ne sommes pas présentés. Mes programmes frères et moi sommes des agents de la capitale. Carte mère nous a codés pour que nous traversions le royaume numérique à la recherche des mystères de code source. Nous aidons aussi les programmes du royaume numérique à ajuster leur code quand c'est nécessaire. Je voulais vous mettre en garde contre ce script étalon malveillant qui surgit du sol. Sautez et esquivez-le, mais n'essayez en aucun cas de le détruire. Nous ne savons pas pourquoi, mais ce code est constitué d'infinies couches d'une complexité qui le rend indestructible. Ok, bah je le touche pas. Oh, ça grimpe ou quoi? Le bâtard, j'ai cru qu'il allait me bray. Ça sert à rien de le lâcher. Il faut monter.
Là où il y a l'épée, moi je dis. Hein. Ok, donc lui il peut rentrer et ressortir. Ah merde. J'ai cru que c'était une plateforme, désolé. Encore des épées, il y a des épées partout. Oh, vous avez vu? Oh, comme c'est beau! Regardez sous mes pieds ces effets là. Comme c'est stylé. Oh, les pâturages binaires. Oh, même quand il se baisse. Regardez, il a une animation trop classe, mode tout, tout. Je peux te faire un des trucs, toi? Il y a des spectrographes dans... Accès à l'antre de Baba. Ah oui. Vous aurez besoin d'une techno-clé pour passer cette porte. Ces monolithes sont des emplacements cryptés. À l'intérieur est enfermé un programme séculaire, aussi ancien que la carte mère. Une vieille femme du nom de Baba qui d'ailleurs est très aimable. Tous les programmes de cette région la connaissent. Et elle gardera précieusement tout ce qui lui sera confié. Aidez les technopères et les opérateurs sacrés du portail. Ok. Bah allons-y. Il faut que j'aille voir Baba, mais je peux pas aller tout de suite. Est-ce que je peux grimper là? Non. Les oiseaux. Comme c'est beau. Le château des technopères. Zombie. Non, c'est bizarre, j'ai... Oh, il y a bien la version cathodique. J'ai l'impression que dans la bande-annonce, il était bien plus violent que ça, le cathodique. Bâtard. Je sais pas s'il faut les tuer ou pas. Dans le doute. Bah, dans le doute, rien du tout, parce que je suis... Ok, c'est bon. Lui, je peux les tuer ou pas? Je sais pas. On peut pas jouer avec les flèches, c'est chiant. Les jeux comme ça de plateforme, moi, flèche à 100%. Oh. Je veux passer ma vie dans ce jeu. Je veux que ça ne s'arrête jamais. C'est trop bien. Non, mais il y a une flèche qui dit va par là aussi. Je sais pas où aller. Oh non, pas de plusieurs chemins. Le hall. Mais c'est trop classe. Marita Boy, l'accès au jardin souterrain est interdit. Bip. Vous trouverez la techno-clé d'accès dans les niveaux supérieurs du château. Avec les salles supérieures. Nice. C'est trop bien. Est-ce que quelqu'un peut jouer à ce jeu et ne pas être émerveillé par cette ambiance? J'ai l'impression de repasser mon enfance à regarder ces films des années 80 avec mon père sur le canapé. Oh, puis... oh le petit côté flou là. Oh, c'est trop bien. Narita Boy, pardon de ne pas pouvoir être à vos côtés à 7h. Je dois maintenir l'harmonie du trichrome depuis la capitale du royaume numérique au plus proche de son noyau. Lui, l'arc des pétaoctets de code corrompu. Je m'efforce de prévenir discrètement cette attaque. Derrière cette porte se trouve le portail des orateurs sacrés. Vous devez l'emprunter. Il vous mènera à l'église de l'étrange monolithe. Dans cette région, vous trouverez une nouvelle mémoire de créateur. Pour atteindre le portail, les orateurs sacrés, vous avez besoin de la techno-clé d'accès. Oula, c'est compliqué. Les orateurs sont des programmes de prière qui maintiennent le portail aligné. Ils ont confié la clé à Baba, un antique programme en sommeil non loin du château. Trouver Baba et obtenir la techno-clé. Ok. Qu'est-ce qu'il dit lui? Nous vous prions, frère, parce que nos prières redirigent le flux de données pour le stabiliser et synchroniser avec le trichrome. La prière est un mysticisme algorithmique. Tes liens d'enzymes. Une chimie électrodynamique embrassant le créateur et en des myriades d'impulsions binaires. Ouh là là, en termes de charabia scientifique, là, enfin,
charabia programmation, là, carrément. Mais c'est pas grave, je lui pardonne tout, c'est trop bien. Il faut que je redescende, du coup, c'est ça, non? Oh, y'a... Oh, oh, t'es si bien animé! Oh, ouh, lui se fait wish! Et Narita Boy plonge au cœur de l'action sur le cerveau cheval, laissant derrière lui les domaines du programme Roi Cavalier. L'aventure continue pour le guerrier qui marche seul, le héros déterminé à redonner espoir à un royaume mourant, celui qui suscite autant de peur chez ses ennemis que le respect de ses amis. Fléau des étalons, nous nous étions dit que s'il revenait un jour, il nous faudrait toute la puissance concentrée du trichrome pour leur résister. Et naturellement, un héros particulier venant d'au-delà du code de source pour la panier. Au fond du hall, prenez l'autre ascenseur, il vous mènera à la techno épée. Nice. Toi, tu peux me parler aussi? Oh là 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 là. Faites juste un film d'animation comme ça, j'irai le voir. Je payerai ma place plusieurs fois. Oh, le vieux monsieur. Ah, pardon. C'est pas trop du voxel, hein, ça veut rien dire. Hein. Oh, vous avez vu les petits bonhommes qui prient là sur les côtés, comment c'est stylé. Putain, je regarde le décor, je vois même pas les trous. J'ai envie d'être pixel artiste là, hein. Je suis désolé. Ah merde, ok. Ah ouais, ça, je repop là. Oui, pardon, désolé. Je vous jure, j'étais en train de regarder les arrière-plans et j'ai pas vu le trou. Trop stylé. Oh, motherboard. Même pas. Je sais quel OST je vais télécharger sur Spotify. J'espère qu'il y est. Techno Soul. Home run! Shotgun? Ultra... Quoi? Mister MV nous regarde! Il faut en être digne! Oh! Oh! Oh, c'était si stylé! Oh, les petites mains, comme à l'ancienne. Comme un peu dans Sonic. Je baille parce que je suis fatigué, mais j'ai envie de jouer. Fusil à pompe. Puis deux fois pour activer le fusil à pompe pour maintenir. Pour activer un rayon ultra. Oula. Oh le bâtard! Oh, le feedback il est trop bien. Les vibrations elles sont parfaites. Merde. Bon, l'inertie elle est chelou des déplacements, mais c'est un coup à choper, je pense. Ok. Quoi? Je peux pas bouger.
quoi? Ma manette a planté. Non? Je veux pas. Ça va revenir. Écoutez cette belle musique. Allez là, redémarre. Ma manette, elle veut pas se connecter. Je sais pas pourquoi ça voulait pas. Il esquive. Ok, donc c'est LB. En l'air. D'accord, donc je peux dash en l'air. Si. Fils du trichrome, vous avez atteint le premier totem. Comme vous le savez, vous devez pénétrer dans les mémoires du créateur. Chaque fois que vous libérez une mémoire, elle retourne en créateur. Méditez dans les brumes du code et reconnectez-vous au flux ionique. En vous connectant, le totem s'ouvrira et vous permettra de visiter le hall des mémoires. On sent ma puissance. Et là, ça s'ouvre. Il y a un truc ici. C'est quoi là? Il y a un truc là. Fils du trichrome. Oh merde. C'est bon, je l'ai vu. Attends, qu'est-ce qui est une plateforme ou pas là? Ok, d'accord, je suis sur le dos. Oh, c'est stylé. Oh, c'est quoi ça? On est dans 2001. Merde, j'ai gâché une balle. Très intelligent ça. Ah, ok. C'est cool. Petites aberrations chromatiques. Je m'appelle Lionel Pearl Nakamura. Je suis né à Narita, une ville de la préfecture de Chiba au Japon. Il paraît que l'été où je suis né était caniculaire, que le bruit des cigales était assourdissant, mais je ne m'en souviens pas. Sans blague. Je ne me souviens pas non plus de mon père. Que mon père était américain. Un gars Kokujin. Et qu'apparemment, ce jour-là, il était particulièrement perturbé par son travail. Ouais, par son travail ou par la boisson. Mais il y a une chose dont je me souviens. La lumière intense et la voix qui en émanait. Une voix douce qui m'avait chanté d'une berceuse. Je me souviens de ma mère éclairée par des nombreuses taches de couleurs. Une musique de... forme salmodiant. Des sons d'une dimension lointaine, maman. Ça, il utilise du vocabulaire, hein, putain, ce jeu. Pourtant, normalement, je m'en sors bien, mais... La petite maman. C'est mignon. Je sais pas trop où je dois aller. Il fait fatigue. Ok. Tu sens que ce jeu, il y a eu des playtests. Oh.
quel code. Merde, c'est quoi l'esquive déjà? Ah mais il est facile à battre. Bon, je suis un peu nul pour l'instant. Aïe aïe aïe. Pourquoi je peux plus jouer? Ah c'est chiant. Mon perso bougeait plus. Qui m'a vu, lui il a fait oula. Ok, hop. Il fallait dash. C'est quoi la touche déjà? D'accord. Ici, frère, se trouve la techno-clé d'accès à notre jardin. Une fois dans le jardin, contactez le médiateur quantique. C'est lui qui détient la technoclé dont vous avez besoin. Profitez-en pour méditer avec lui. À ses côtés, la transcendance et la marche sur la voie du trichrome à la lumière de son code, étincelant dans l'une des plus remarquables expériences que l'on est l'une des plus... J'espère que vous avez lu. Faut que je fasse demi-tour ou il y a moyen de retourner facilement? On peut pas retourner directement? C'est dommage. Et maintenant, il y a un monsieur qui cloue le truc là. Ah putain, j'ai encore... Ça me paraît bizarre que ce soit LB pour dash. Enfin, faut vraiment tout refaire. Parce qu'il y a quand même des sauts dans le vide là. On verra. Possible, possible. Tial de la techno épée. Il me fait trop marrer ça. C'est bien par là qu'il fallait aller apparemment. Je suis mort. Et ma manette est rebuggée. Écoutez ça. Les bugs, c'est dommage. Là, j'ai vu des gens dans le chat de le stream qui disaient oh là là, 25€, comment c'est trop cher. J'ai tellement pas d'argent pour m'acheter ça. Désolé, mais il est beau largement. Je suis mort comme une merde. Désolé, les épileptiques. Hein. Allons par là.
assez fort, chatoyen. C'est chiant. Je vais peut-être prendre l'autre manette, peut-être qu'il aime pas la... Je cherche des excuses à la con, peut-être qu'il aime juste pas le fait que ce soit une manette de One X. Ça m'est déjà arrivé, donc riez pas. Ça arrive. Voilà. Ah voilà. Ah oui, puis ça répond tout de suite. Juste il aimait pas la manette de One X. Enfin de Series X, pardon. Vers les orateurs sacrés. Non, il faut redescendre encore, je crois. Tu sais que je sais même pas s'il y a une carte ou pas. Si je dois me retaper tout ça ou pas. Nice, c'est bon. Let's go dans les jardins souterrains. Et je pense qu'après ce petit monde-là, on va se laisser. Parce qu'il est déjà 1h du mat. Trois hôtels algorithmiques doivent être activés. Cette triade aussi puissante que le Trichrome lui-même activera le transcripteur des symboles. Cette machine créée par les agents de la capitale vous permet de vous transcender vers d'autres régions du code grâce au pouvoir des symboles de transcendance. Nous les appelons esquisses de saut. Regardez bien les symboles fondamentaux du Trichrome, l'expression métaphorique de ce magnifique code. Il y en a toujours trois, n'oubliez pas, trois, un pour chaque rayon. Ok. Je sais pas ce que je fais, mais je kiffe. Je peux pas grimper là-haut. J'active des trucs. Je pense que c'est bien ce que je fais. Merde. Pardon. Là, non, verrouillé hors de portail. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai pas tout suivi ce qu'il fallait faire. Tu sais qu'il faut que j'active trois trucs, il y en a un là du coup, c'est ça? Et celui-là, il est grossé. Ça, j'ai activé ça tout à l'heure, je sais pas ce que ça fait. Puis là, c'est la mort.
Merde. C'est pas lui qui fait chier. Ah voilà. Ce jardin est une pure inspiration. Quelques cycles de stress, un fragment d'anxiété, coincé dans l'écriture d'un code instable. Descendez un peu ici, connectez-vous au terminal et laissez-vous flotter les plus belles lignes de code dans tout le royaume numérique. Il ne sert à rien. Comment je l'active ça? Ah d'accord, ok. C'est bien ce que j'avais compris, mais je... C'est un peu bizarre dans le jeu. Oh, elle l'a pas. Et voilà. Et du coup, là, j'ai un TP, c'est ça? J'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, c'est pas qu'il y avait pas des trucs sur là-dessus. Ah, c'est ok. C'est carré, 3 points carré. Je gagne des trophées toutes les 4 secondes. Hein. Putain, les gens qui désactivent le shader, je ne comprends pas. Hein. Il est indispensable au jeu en fait. Hein. Sentez-vous le trichrome dans chaque pixel de votre état inactif? Nous ne sommes rien de plus que des lignes de code éthérées dans un continuum ni spatial ni temporel. Nous sommes des computations entrées et sorties éternelles, une lumière qui s'éteint, un drapeau qui s'active. Tenez, c'est la technoclé qui ouvre l'entrée de l'antre de Baba. Elle est aussi une grande maîtresse de la méditation, aussi patiente que le temps lui-même. Elle a toujours su que vous viendrez. Et elle a vécu des milliers d'itérations en état de méditation profonde. Parfois, je sens son code circuler à travers mes fonctions circadiennes. Passez-lui mes salutations, vous voulez bien? Ok. Salut. Petite épée. On va aller voir Baba. Puis on va se faire des bisous. Vous voyez, à chaque fois je repousse. Parce que c'est trop bien. C'est la mort. Attends, mais... c'est quoi ça? Ah, le troisième. J'ai ouvert une porte. Merde. C'est la mort. Rest in force.
En fait, j'essaie d'aller vite, mais c'est dur. Donc, j'ai ouvert cette porte. Et il n'y a pas des... Ah, je sais pas ce que je fais. Bon, allons voir ça. C'est la disquette spéciale, non? Floppy disk backup. Bah, nickel! Sans faire exprès en plus. Ok, donc j'ai dit qu'on allait voir Baba et puis ensuite on s'arrêtait là. La petite clé. Oh, c'est encore stylé. Ah, j'en étais sûr, Narita Boy. J'ai toujours estimé que le Trichrome distillerait son essence dans pas plus de 20 pixels de puissance condensée. J'ai trouvé dans le code source des lignes commentées qui m'ont fait suspecter qu'un héros serait compilé pour rééquilibrer les rayons du Trichrome. Et avec d'autres programmes, je vous ai attendu. On nous appelle les croyants. Mais mes frères qui s'épanouissaient dans cette grotte se sont graduellement mis hors tension. Moi seul, Baba, suis resté depuis tout ce temps pour vous attendre. Avant de vous donner la technoclé, je dois vous demander un service. Dernièrement, après que lui et ses étalons sont arrivés, un étrange événement de portail est apparu. Pouvez-vous m'aider à découvrir de quoi il retourne? Nous pouvons peut-être empêcher à temps une autre éruption d'étalons dans cette région. Nous devons les contenir à tout prix. Ok. Écoutez, on va rentrer là-dedans. On va se dire bisous. Les augmentations. I'm run. Ah oui. Oh, il y a des nouveaux... Oh, il y a des trucs cool après. Putain, mais il y en a tellement. Allez, retour au menu. Dis oui. Allez. Les gars, je vous fais des bisous. C'était cool. Et on va finir le jeu, parce qu'il est trop bien. Tchuss.